Hello, bonjour, bonsoir. Je retourne pour une autre vidéo. Avant même que je rentre dans la vidéo, je prends un petit temps pour me dire un grand merci avec tous les anciens et nouveaux abonnés. Et ou même qui toujours commenter, qui toujours partager, qui toujours like, m'a dit un grand merci. Et ou même qui passez pour la première fois sur la chaîne sans que vous pas abonné, m'a invité vous s'il vous plaît abonner et pas oublier activer la cloche de nous poster une nouvelle vidéo pour capable recevoir notification nous en premier. N'importe dans vidéo sans perdre de temps comme nous déjà ouais cette vidéo déjà c'est une nouvelle qui est vraiment triste. Et mon pasteur qui était entré à Haïti pour être capable de faire retraite, et bien, bandit est arrivé entre la caillou, tué ni madame nan, ni monsieur. C'est une nouvelle qui est vraiment triste, qui papa eu diaspora yo groupe pour entrer à Haïti encore à cause bandit a fini avec toute diaspora. N'a pas entré dans la vidéo pour plus de détails. Donc, très mauvaise nouvelle pour très mauvaise nouvelle, nouvelle de très mauvaise à l'étranger de monde qui apparaît pour venir faire retraite en Haïti. Nouvelle ça qui fait état de assassinat groupe ça pasteur Jean-Philippe Quétan avec madame ni Erna Jean, oui, oui, Erna Plancher. Donc, eux même t'as vécu aux États-Unis depuis plusieurs années, 30 ans environ, mais c'est deux monde qui a rentré dans l'âge et qui a préparé pour vivre dans le pays, donc, dans Onaville, hein, quand ils ont créé côté, ils ont acheté, ils ont construit plutôt dans le terrain ça. Donc, bandit, ils n'ont pas arrivé à identifier, rentrer la caillou bien bonheur, ailleurs, dimanche l'unité vers 2 h, concernant dans Onaville 18, juge de paix tribunal Croix des Bouquets à Nil civil. Après-midi 2 h du matin. Eh ben nous on a dimanche encore. Non, dimanche. Non, hier. Non, non, c'est ça. Non. En fait, c'est pas jeudi, hein. C'est hier matin. Hier matin. Donc juge de paix tribunal Croix des Bouquets à Nil civil qui t'a fait constat légal, il a révélé bandit touillé effectivement avec 2 balles, victime mieux et puis poté aller ça a été joint dans cas là. Donc pour qu'on gagne arrestation, ou tout au moins jusqu'à hier, pas de gain, arrestation qui fait dans le dossier. Ça, d'après magistrat qui fait connaître suivant témoignage aux victimes, yo, qui tape vivre aux États-Unis, t'es décidé rentrer pour venir vivre en Haïti. Ça, pas gain longtemps. N'a pas coûté. Juge Anil Civil, il te répond une question guerrier du seul. Nous déposé et nous t'ai informé par la police de cet assassinat. Et comme de fait, nous t'ai allé sur les lieux. Et puis là, nous arrivés, nous avons constaté dans une cour fermée. Deux corps inertes d'un couple. Alors il s'agit de Erna. Il s'agit de Erna Plancher avec Marie-Lie qui est Jean-Philippe qui est dans. Okay. Donc ça passe qui côté exactement et c'est du côté de la ville 18 et en leur domicile. Mm-hmm. En tout cas, mon saïo, qui est sur yé, qui est qui activité suivant, selon la déclaration, et suivant la déclaration du Corrigé-la, Josué, et le frère de Erna, et l'étagé d'un groupe, dont le monsieur Jean-Philippe Quétan, l'une des victimes, et des pasteurs. Il vit les États-Unis et d'Amérique, alors qu'il paie les va-et-vient. Alors, suivant Dieu, c'est un entrée définitivement pour la visite en Haïti. Et ce matin, aux environs de 10 h, et donc, il y a armé d'investir dans les studios. Et puis, voilà. Des gros lotés mineurs qui étaient 16 ans tôt, il a dit non que au cours, aux environs de 10 heures, et du matin, il attendait que madame Lanc a tombé baka. Et puis, c'est comme ça, et il attendait une voix qui a dit, fermez bouche. Et puis après, il a dit des donations de tir. Et puis voilà que Mounio et dame Lanc atteint de cartouches et mourit. Et puis par la chute, et c'est monsieur. Mm-hmm. Et monsieur, allez vous voir. Il a mouru sur la croix devant et Kaira. Ok. Là, nous constatons des points par un cas d'effraction, mais suivant des déclaration et Christelle, et la demoiselle de 18 ans, il a dit que mon nom était sur la croix, il a payé, et puis c'est comme ça, et individu investit la croix, il a coupé son frère. Ok, mais monsieur, à combien de balles il recevra lui-même Monsieur, oui.
et la position qu'il a déjà là, et d'ailleurs nous constatons des dédouilles de 9 mm, et nous gagnons tout et notre tête là, et on trouve la tête de madame là. Nous constatons qu'il y a et chambre là, chambre monsieur vidé et saccagé. Le civil là, quoi des bouquets sous drame ça qui arrivait week-end non au Naville 18 n'a pas appelé pasteur Jean-Philippe Kétan, madame Nierna plancher bandit il n'a pas arrivé identifié tout hier bal bien bonheur hier dimanche là la caillou non au Naville coupe ça n'a pas appelé ta vivre aux États-Unis depuis environ 30 l'année selon témoignage yon frère victime yo Jean Guinel qui expliquait présence dans pays c'était pour préparer retraite donc pour COVID établi définitivement donc t'as fait aller venir jusqu'à ce que yo installé yo net selon servante là deux nèg exam rentré dans Kaila vers 2h dans matin pour t'étouiller d'abord madame nan a combat en tête t'étouiller Maria ensuite yo quitté derrière 5 petites hein 4 garçons yon fille qui a vivre aux États-Unis cadavre victime yo capable de transporter aux États-Unis pour funérailles yo à cause famille yo pas décidé rentrer dans pays pour funérailles yo après choc ça qui quitté yon goût amer dans bouche famille donc après 30 ans très amer après 30 ans et pas seulement dans bouche famille li qui ton goût amer dans bouche diaspora tout partout dans monde là qui gagne un seul rêve. C'est après yo fin prend retraite yo, c'est vinn passer vieux jour en Haïti. Oui. La caillou mais les autant de drames comme ça. C'est dégueulasse. Et de plus en plus et de plus en plus on a assisté à de drames révoltants comme ça tant que Jean Papa, directeur général police. La police nationale là. Oui, un monde qui t'a vécu tranquille dans zone côté yoyé en Pétionville là, non, c'est Maro. Oui, qu'est-ce donc c'est de là monsieur a fait tout petit mounio et tout le monde connaît ouais 82 ans caillou pas barré caillou pas barré tout le monde connaît yo, oui. Vous comprenez yo pas gagné aucune peur ouais pour oui, jusqu'à ce que vous t'apprenne disposition pour sécuriser Kaila et mounio donc monsieur a mouri Jean le mouri a souhait comment lui expliquer et maintenant c'est que monsieur a les chita en bagarre tranquillement madame Nider a occupé de l'autre bagaille donc il y a deux acteurs dans Kaila bien entendu que l'autre monde qui habite dans Kaila mais il y a pas de gagner pour inquiéter l'autre monde qui dans Kaila t'est déplacé et puis là a cherché grand monde là au Powell et puis cherché relé on a pris les côté les PAE et puis les a regardé nan réservoir qui juste à côté Kaila réservoir fermé yo jwenn grand moun nan andan et grand moun nan gon kan son moun ki difficilement déplacé yo jwenn kan nan bon chaise côté le chita habituellement c'est son moun ki c'est la chita donc son moun ki konn son moun yo boutel à qui le exactement ça passe. Oh, ça passait, c'est vendredi, en fait, nous, une nouvelle là, vendredi, oui, mais c'était jeudi soir. Mm-hmm. Oui, vers qui l'est? Non, dans la soirée. Ah, soirée, non, vers 9h. Soirée, Mounsayo, c'était du soir, c'était 30, y'en a qu'à bonne. Y'en a qu'à bonne. Y'en a 9h. Donc, et qui ça, moun nan zone, yo, donc, des témoignages après, de zone, moun entourage, voisinage, yo, qui ça ou bail comme information. Bon, peut-être yo parlé avec des CPJ, il y a enquête qui l'ouvre donc c'est encore papa directeur général police là donc nous pensons que ça pourrait aller encore plus vite et enquête ça il pas plus difficile parce que ça. Yo t'es combien dans Kaila et Pénomile avec madame ni? Pénomile avec madame ni 82 ans. Yo me croyais yo t'es gagné bon oui mais t'es gagné petit dans Kaila tout petite ma connaît mais t'es gagné l'autre monde avait tu as vécu dans zone ça ou même où t'es fait une petite visite pour Caraïbes de gain pour me faire un coup de pied tout parce que c'est mon yom vraiment qui vraiment proche moi et où rivé nous zone comme ça ou même qui rivé côté Pénomile d'ab vivre là est-ce que son une zone d'accès côté machine passée en pile fréquentation en pile circulation non mon yom vivre tant que paysan bien entendu qu'on est avec et m'envahissement qui gagne aujourd'hui dans zone yo côté tout monde a cherché habiter ou est de Gokai ouais qui t'a bon impression qu'on pas on pas la campagne oui. Mais c'est une pure campagne ouais oui on campagne améliorée aménagée ouais bon quand même il y a route pour aller dans Kaila
mais c'est pas route tant que grand route, c'est chemin. Ouais, c'est chemin pour mener, mais quand même y a pas isolé, y a des monde qui n'en est voisinage, mais l'arrivée là, ou pas t'as qu'à imaginer un instant que un crime comme ça qu'a fait là, un crime qui plus semble à la ville. Oui. qui plus semble à la ville, donc qui pas semblé à une zone comme ça. Et c'est qui exactement, il va le découvrir, cadavre pédomile dans le réservoir.